Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la parole. Côté que nous avons continué avec l'étude, nous, dans Néhémie chapitre 6, à partir de verset 10. Dans le verset précédent, nous avons dit que loyauté, fidélité, Néhémie, te parlé pour lui contre toute rumeur qui était capable de circuler sous lui. Et nous connaissons piège ennemi, il est toujours là, mais seule façon pour nous ne pas tomber dans le piège ennemi, c'est que nous étions fidèles avec le Seigneur. Sila qui t'a accepté sacrifier lui pour être capable ban nou la vie qui pas jamais finir en tant que pécheur. Et nous appli dans Néhémie chapitre 6 verset 10 dit je me rendis chez Maja fils de Delaja fils de Métabéel. Il s'était enfermé et il dit allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Donc, ennemi a toujours à chercher une façon pour le dérouter, petit bon Dieu. Dans le cas, Néhémie a fait face avec toute qualité d'attaque que nous avons dans le chapitre précédent. Mais là, c'est même gens que nous avons songé l'histoire qui était passée entre eux avec Balaam et Balak, puisque Balaam te connaît que bon Dieu t'a béni peuple malgré le t'a fait offre pour te maudit peuple. Donc dans cas ça nous est chez Maïja, li joindre avec un ennemi yo Tobija yo payer li. Donc connait la cherche une façon pour yo détruire Néhémie, mais puisque yo pas ca joindre ni, y a cherché une occasion pour yo faire Néhémie pécher contre bon Dieu et laisse ça y a connait que bon Dieu a calé li. Pour qui raison bon Dieu capable punir ni s'il est rentré dans temple? Parce que bon Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de discipline. Chaque le nous violer un principe, il y a conséquences qui marchent ensemble avec lui. Et puisque bon Dieu pas capable de changer, il établit loi lui. Peu importe le ou violer lui, ou gagne conséquences captant nous. Néhémie te connaît, c'était ruse qui t'a simé, c'était en tactique ennemi qui t'a changé. Néhémie dit qui est-ce? Un homme tant qu'on va l'entrer dans le temple pour le sortir sain de sauf. Pour le sortir vivant, Néhémie te gêta connaît que parole bon Dieu. Puisque Néhémie te campé sous parole bon Dieu, il te connaît ça, c'était un truc pour te prendre li dans piège. Et qui te dit nous, frère moi avec ce moi, les négociations échouées, li pral utiliser d'autres aspects, li pral utiliser façon pour li accuser nous, l'el pas joindre nous dans l'autre sens. Dans verset 14, il dit Néhémie fin fait face avec toute tentation ça yo, avec toute demande ça yo, toute accusation ça yo. Néhémie dit bon Dieu, souviens-toi de moi ô mon Dieu de Tobija, de Sambala, de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Donc une bagarre que nous dans texte là tout c'est que faux prophètes yo moun ki t'a cherché fait cob depuis nan temps ça noue ki yo te getan établi. Oui, li te nan position mais t'a utilisé position ça, li t'a mal utilisé li. Donc yo payé li l'a cherché atteindre à réputation l'autre là que bon Dieu mette. Et qui est chez Maïjaï, c'est un juif qui nan mitan yo. Moi l'aime li texte ça yon nan moun ki vin nan l'esprit c'est Che Guevara qui te dit nan yon nan ki te fait une déclaration, li dit nan yon révolution ou besoin plus cartouche pour ennemi intérieur yo que ennemi extérieur yo parce que yo plus et pour ennemi ça c'est clair pour ennemi extérieur là joint nous les besoins rentrer de connivence avec ennemi extérieur yo donc c'est ça que nous ouais là yo jouer dans mind si Maïja et yo joindre Néhémie dit bon Dieu songez qui en droit nous capable joindre ça qui en droit que me capable cacher pour pas violer al cacher en dedans temple m'a violer principe bon Dieu et bon Dieu l'a frappé moi et moi veux rappeler nous Satan ennemi
li toujours ap chèche yon okasyon pou l kanpe travay bon Dieu. Li toujours ap chèche yon fason pou li arrete nou. Mais heureusement Néhémie pa te prenan piège la. Nan verset 15 li di la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul en 52 jours. Son chose extraordinaire, son merveille. 52 jours toute muraille la reconstruite en dépit de toute opposition. Reconstruction tap marché il te atteint objectif li. Donc le nou li texte an après si ça c'est vraiment évidence texte ti parole ça que nous connaît c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit. C'est aussi une évidence pour moi que lorsque nous fait unité, lorsque nous unis nous dans corps Christ là, pas gain rien qui capable bloquer nous. L'unité c'est tout ça que nous besoin pour nous atteindre l'objectif, nous surtout pour nous les chrétiens. Lorsque nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Wow, son bel bagage que yo capable connaître ça c'est mes bon Dieu. Ça c'est bon Dieu qui fait lui. Toute gloire là, c'est pour bon Dieu là ça. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs de Juda étaient liés à lui par serment parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arach, et que son fils Joshanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui en ma présence et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Donc nous capables comprendre qui ça Néhémie t'a trouvé li avec monde qui n'a connivence avec ennemi hein qu'a rapporté. Donc c'est une façon que t'es capable de détruire li. Mais Néhémie dans verset 17 19 li montrer nos préoccupations c'est parce que c'est même monde qui au sein yo les grands les responsables monde qui pouta camper avec li c'est monde ça yo qui a cherché on ben qui n'a connivence avec ennemi hein et qui a cherché opposer avec travail bon Dieu et chaque lion on a cherché camper en face travail bon Dieu camper contre bon Dieu lui juste entrer dans l'annale de l'histoire comme des fous par exemple Tobija n'a pas jamais entendu parler de lui mais l'histoire camper Néhémie comme un grand homme parce qu'il était campé sous parole bon Dieu il t'a persévéré dans la foi il t'a répondu avec appel bon Dieu Seigneur nous dou merci nous prions que on va aider chaque monde qui a campé sous parole ou on va kembe yo fidèle et ennemi yo qu'on va éloigner yo encore plus loin de nous-mêmes. Nous te remercions, guide-nous, dirige-nous dans nom Jésus, nous t'en prions ici. Amen.